Archives, Fondation Tayeb Sadiki, Maroc. Voyager, c'est vaincre, dit le proverbe arabe. Ceci est l'histoire d'une petite troupe de théâtre qui, de ville en ville, de village en village, va à la découverte d'autres publics. Nous rendons hommage à ceux qui nous ont instruits. Séance de Hamadan, pièce de Sophocle, Shakespeare, Catherine de Mejdoub et théâtre de Gogol et Molière. مقامات همدان هو المجد بالحكيم صغت لهم لذان من حسن التنغيم سفوكل شكسبير جوجل موليغ مشهور على شهير بتخوط رقصين بطريقهم سايرين منهم أشفيل الخوت صاهرين على مسرح الناس الخوت صاهرين على مسرح الناس طالبين تسليم 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 طالبين تسليم اللي سبقونا تكرم العظيم اللي علمونا طالبين تسليم اللي سبقونا تكرم العظيم اللي علمونا Younes Raoui, un conteur de la plage Jemaa el Fna, quitte Marrakech à la recherche de la belle aux sept grains de beauté. Il raconte sur les places publiques des contes et des légendes. Ce sont des célébrations de l'ordre dans un monde en proie au désordre. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît. Celui qui me connaît m'aime. Celui qui m'aime, je l'aime. Celui que j'aime, je le tue. Et celui que je tue, c'est à moi de le racheter. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Le sage a dit, si tu aimes discourir, garde le silence. Si tu aimes te taire, tu es mûr pour le discours. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que je sois votre esclave, mais pas esclave servile, ni esclave de mes passions. Je suis esclave du voyage. Car le voyage est ma passion. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La terre est vaste. Si on ne t'aime pas en un lieu, quitte-le pour un autre. Car tout pays qui t'offre l'hospitalité est pour toi une patrie. J'ai vu et j'ai entendu des choses extraordinaires sur la surface de la terre. Et je donne à ces choses les grâces et les lumières des légendes. Younes Raoui est mon nom, ou si vous préférez, Jonas le conteur. Je suis le conteur fils du soleil. Le conteur au cœur calciné. Le soleil se lève pour moi parce que je vais à sa rencontre. Et je puise mes émotions
dans le trésor des yeux. Je suis Younes le conteur, Jonas le conteur, fils du conteur, le nomade, fils du nomade, qui sème la parole ancienne. Pour cela, je dois partir pour accomplir ce à quoi je suis prédestiné. J'ai quitté mes compagnons de la place Jamalfna. Que dit la parole ancienne? Les rêves sont les réalités de la vie, les rêves sont les fêtes des poètes et des conteurs. Je rêve le jour aussi, en plein soleil comme un enfant. Et je raconte des légendes et des histoires à dormir debout. J'ai quitté mes compagnons de la plage Jamalfna. Mais avant, j'ai rendu visite aux 7 patrons de la ville. Et j'ai bu dans le creux de ma main l'eau bénite de Sidi Blapès. J'ai vu des barbares boire à l'entrée, glou 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 glou, comme des sauvages. J'ai bu, quant à moi, à petite gorgée pour faire durer le plaisir de boire. Et j'ai rempli ma gourde, car il est prudent d'avoir sur soi de l'eau pour aller chercher l'eau. Et pour éviter toute menace et tout péril, je porte sur moi, dans ce talisman, les moustaches d'un lion, et je chevauche mon errance, sachant ce que je cherche. J'ignore ce que je fuis. Inna dunya hiya allati tashiru al-ayn safira zalamuha shatr asmiha fahiya dunya wa akhira fahiya dunya. Vous qui aimez les légendes d'un pays, les balades d'un peuple, les sagas d'une famille, je vous invite à vous arrêter un peu pour entendre ces voix lointaines, voix des étoiles qui sèment le bonheur dans le ciel et voix des sirènes qui pleurent au fond de la mer. Pour vous, je prierai en silence pour vous. Je m'épanouirai sans cesse pour vous. Je deviendrai rossignol, chantant dans le cœur d'un ami. Je pars. Je pars à la recherche de la belle aux 7 grains de beauté. Dunya est son nom. Je la cherche, montagne tiède. Je la cherche, montagne tiède, pousse les jacinthes mauves. Je la cherche les nuits de mes songes, le jour de mes rêves, je la cherche pour l'étreindre. Viens mon cœur, nous allons ensemble à la recherche de Dunya. Inna Dunya hiya allati tashiru al-ayn safira ظلموها شطر اسميها فهي دنيا وآخرة فهي دنيا وآخرة فهي دنيا وآخرة. J'ai rencontré en plein désert un homme nu. Nu.
Il était échevelé, livide. Il était accroupi au soleil, tenait dans sa main son cœur qu'il mangeait. Il est amer. Amer. Il est amer, disait-il en pleurant. J'ai rencontré sur mon chemin toutes sortes de gens. Quelques-uns ont un cœur de loup sous la peau de brebis, et d'autres, ce sont les pauvres. Ce sont eux qui font pleurer avec abondance les nuages. J'ai vu des gens manger leur pain avec la viande des autres. Et j'ai même vu quelques personnages qui croyaient avoir la tête dans le ciel. Et dans le derrière est plongé dans la boue. C'est moi, Younes Rawi, qui vous le dis. Yasser bin Ahmam, ya Sabah, Noir Shems Zabiya, Joul Bejal Youm Sanah, Haljnah Koutirbiya, Oksad Wenta, ya Raya, Jam Alfna, Wil Koutibiya. ياسر بالحمام يا سابح نوار شمس الذهبية Si les grandes cités ne s'éveillent que le soir, Marrakech est matinale. À 5 heures du matin, un oiseau unique au monde. L'Al-Latibib. L'Al-Latibib propose à la lumière aurorale la plus douce des mélodies. L'Al-Latibib. Celui qui me connaît m'aime. Celui qui m'aime, je l'aime. Sur la colline des Oliviers, qui surplombe la merveilleuse cité de Fès, j'ai rencontré le vieux Bamhout. Le vieux Bamhout. Tout d'abord, je ne l'ai pas reconnu. Son visage, jadis fleuri d'une longue barbe, est maintenant complètement glabre. Mes deux femmes, le dit-il, n'avaient pas les mêmes goûts. Entre Alia, qui n'aimait dans ma barbe que les poils noirs, et Zahia, qui n'en aimait que les blancs, il ne me reste plus de barbe. Sur ce, il disparut comme par enchantement. Je n'entendais plus que sa voix derrière les collines, que l'écho multiplié. Si tu cherches à la brisure, dirige-toi vers un endroit où aboie un chien plutôt que vers celui où glapit le renard. Sacré Bamhout. Bamhout l'a d'agiqué. Quel imbécile ce Bamhout. Et il se fait tard. L'appel du muezzin pour la prière du soir, il se fait tard. Il faut que j'entre dans la bonne ville de Fès avant que les lourdes portes ne soient fermées. On commence à battre au tambour. Je suis arrivé trop tard. Que faire dans ce cas-là? Que faire? Je suis arrivé trop tard. Que faire dans ce cas-là? Et que dit la parole ancienne? Le mouvement est femme féconde et la stagnation et femme stérile. Allahu Akbar. Chacun avance vers ce qui déjà lui appartient. Bismillah. L'homme avance vers ce qui déjà lui appartient. Juste en face des remparts de la ville, s'étale devant mes yeux un vieux cimetière où ne vivent plus que des chats. J'ai décidé d'y passer la nuit. J'ai sorti de ma boîte à merveilles une couverture chaude, un humble viatique et
ma lampe à huile. J'ai découvert une inscription gravée sur un beau marbre ancien. J'ai eu quelque peine à déchiffrer le texte, une belle calligraphie koufique. Au nom de Dieu, le matricien, ceci est la tombe du général Fakhreddin qui repoussa les armées des barbares wisigoths et les armées des vindicatifs vandales. Il gagna 14 batailles et épargna à son peuple servilité et humiliation. Il vécut l'âge fatidique de 3 jours. 3 jours. Sur le moment, j'ai cru que c'était une erreur. Une vie de 3 jours. J'ai découvert une autre pierre tombale, plus imposante que la première. Dans cette tombe de poussière amassée, repose un prince généreux et noble qui construisit 1000 maisons de Dieu, 1000 autres maisons encore pour les veuves et les déshérités, 1000 encore pour les étrangers et les exilés. Ce prince, dans la lignée sans défaut, a vécu l'âge fatidique de 4 jours. 4 jours. Je me suis demandé en quel lieu étrange je me trouvais. Je n'ai évidemment pas pu fermer l'œil. Je suis resté prostré devant la porte principale de la ville, impatient de creuser le secret du vieux cimetière. À l'appel du muezzin pour la prière de l'aube, les portes s'ouvrirent enfin. Soudain déboucha d'une ruelle sombre et sourde un vieillard, un patriarche, avec un bâton de pèlerin à la main, qui soutenait sa vieillesse. Il était là, avec des oiseaux, qui voltaient autour de sa tête et picoraient quelques grains de beauté, quelques grains de blé, déposés dans son large turban, dans les plis de son large turban. Vénérable cheikh, je veux savoir où aller, comme salam, me dit-il, et il me tendit une main teinte de henné, où il y avait des prières teintes en henné. Vénérable cheikh, je veux savoir, me dit-il, et ne t'étonne de rien, toi, honorable voyageur, toi qui as passé la nuit dans le vieux cimetière abandonné, ne t'étonne de rien. Dans notre bonne ville de Fès, nous ne pleurons pas nos morts, non. Nos femmes ne se livrent pas à ces cérémonies hystériques. La mort d'un homme est pour nous occasion de réjouissance. Et nous ne gravons pas sur les tombes le véritable âge du mort. Mais seulement, seulement, me dit-il, les instants de bonheur passés ici-bas. L'homme n'est qu'un météore brillant, il ne brille qu'un instant, sa lumière fugitive. Il redevient cendre, même si sa présence illuminait toute la terre. J'ai retrouvé plus tard cette légende dans le cœur d'un ami. Tout ça y est, les guides, 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 tout
La bonne ville de Fès après le mois de Ramadan et je me suis dirigé vers Alger. Ah, Alger, la vieille cité au destin impénétrable et secret. Alger, la blanche. Alger, la barbaresque. Alger, un amas de neige sous un éblouissant soleil. Et tout près du porche aux esclaves sur la grande place de la mosquée, j'ai animé un théâtre de rue, une halqa. Et là, j'ai fait la connaissance d'un autre conteur, un conteur algérien qui me disait « Évite deux situations dangereuses. Ne fréquente jamais un trop puissant et ne reste jamais en tête à tête avec une femme qui ne soit la tienne, même si ton intention est de lui commenter quelques sourates du Coran. » Fort de ce conseil, j'ai quitté Alger. J'ai quitté le Mdah, parce que figurez-vous, le compteur n'aime pas les compteurs, le compteur n'aime pas la concurrence. Cheikh Mahrez Yalwali, Ali Barajir Zaya, Inta Jwa Fis Ali, Inta Lita Kul Haya. الشيخ نحرز يا الولي علي راجد صيا انت شواب تسألي وانت لدى كل حياة Me voici enfin à Tunis. À Tunis. Tunis, la merveilleuse cité qui n'hésite pas à s'avancer sereinement le long du temps. J'ai vu de mes propres yeux gravés sur la porte du miel, j'ai vu la sentence suivante. Ne sois pas sucré, on te mangerait. Ne sois pas amer, on te jetterait. Dounia. 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 Me voici à Tunis. Voici à Tunis. Oh, Dounia. Dounia, si je te rencontrais, Dounia, je t'en supplie, le fronce pas l'arc de tes sourcils. Mon cœur ne peut plus supporter l'arrachement d'une partie de moi-même. Oh, Dounia. Dounia, la belle. Oh, sept grains de folie. Fès, Alger et maintenant Tunis, c'est le début d'un voyage initiatique
accompli par Youn Sraoui, le conteur de Marrakech. Et à la tombée de la nuit, j'ai quitté le désert. Et j'ai rencontré le vieux cheikh. Le cheikh aux sept neveux sur le nez. Safad, Nouéva, Sahoub Bahyan, Atanouhi al-Bukhari. Le cheikh Safad Nouéva, Sahoub Bahyan, était aussi triste qu'un chameau veuf. Il était entouré de ses 36 femmes et il leur disait : je suis triste, je vais devoir vous quitter, j'ai rencontré un autre harem. Le cheikh Safad ibn Nouéva, Sahoub Zahyan, était en compagnie de monsieur Lucas. Lucas, c'est ça? Monsieur Lucas. Safad ibn Nouéva, Sahoub Zahyan, Tanoukhi al-Bukhari. Monsieur Lucas, c'était un grand spécialiste de la marée noire. Et tous les deux contemplaient un décor surréaliste, des lampions partout, 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 jusqu'à l'horizon. Avez-vous idée, lui dit M. Lucas, de ce que sont ces lumières? Et le cher Safad ibn Nouéva, Sahoub Zahyan, Tanoukhi al-Bukhari, lui dit, vous savez, monsieur, nous, on n'a pas d'idée. Nous n'avons que du pétrole. J'ai traversé d'autres terres obscures, des forêts aux arbres en fanfare, des campagnes agenouées. J'ai même vu des peuples qui célébraient la fête du silence. Et à Damas, que j'ai pénétré par la porte Saint-Jean, Sidouna Yahya alayhi salam, j'ai rendu visite à mon maître, le grand soufi Iskandar, à qui j'ai demandé un talisman pour me protéger des forces maléfiques. Viens, me dit le maître, et il ordonna sur le champ à son disciple d'aller lui chercher la plume de corne du rhinocéros. Je regrette, maître, elle est brisée. Elle est brisée? Dans ce cas, va me chercher le rhinocéros. Il ne m'était guère possible de continuer mon voyage sans m'arrêter à Bagdad. Madine, tout salam. Bagdad, la ville qu'on a toujours appelée la cité de la paix. Curieuse appellation pour une ville qui connaît autant de malheurs. Autant d'injustices, une ville où s'entre-déchirent tribus, clans et sectes. J'ai entendu au bord de l'Euphrate, j'ai entendu l'eau pleurer le martyr de Hallaj, le premier crucifié de l'islam. حبي لمولاي أضلاني وأسخبني فكيف أشكو إلى مولاي مولاي يا ويح روحي من روحي ويا سفي علي مني فإني أصل بلواي Si j'avais à choisir, moi, Youn Sraoui, une autre vie, j'aurais aimé rester là à l'ombre de la terrible croix de Mansour al-Hallaj. Lillahi ya ikhwani, saluhu asa yardani, ain kana yardani, jattattu thawba ahzani.
ألا حل جد قطني وسيدي سقاني أنا ذكرت ربي في ظلمة الليالي أنا عبدت ربي في شاهق الجبال أنا أتوا في قتلي سبعون من الطغيان لكنهم معذورون ما فهموا المعاني لو فهموا المعاني ما أنكروا من حامي Auteur de la fameuse œuvre Nabiullah Shit, m'accueillit dans sa belle demeure d'Istanbul. Il m'accueillit et il était joliment entouré en attendant l'arrivée des derviches tourneurs qui chanteront et danseront jusqu'à l'aube à la gloire de Maulana Jalaluddin Rumi. اسمعني يا ما يقص ويحكي هو يشكو من الفراق ويبكي قال لي قطعت من قصبان فبكى الناس كلهم من غنائي فبكى الناس كلهم من غنائي اسمع الناي ما يقص ويحكي هو يشكو من الفراق ويبكي قال لي قطعت من قصبان فلك الناس كلهم فبكى الناس كلهم من غنائي اسمع الناي ما يقص ويحكي هو يشكو من الفراق ويبكي قال لي قطعت من قصباي فبكى الناس كلهم من غنائي فبكى الناس كلهم من غنائي فبكى الناس كلهم من غنائي فبكى الناس Le lendemain, je fus jeté dans une prison, à la paille humide. J'ignorais que ce genre de cérémonie était interdit depuis Mustafa Kemal Atatürk. Le lendemain, nous fûmes jetés dans une prison turque à la paille humide. J'ignorais que ce genre de cérémonie était interdit depuis Mustafa Kemal Atatürk. Mon ami Berzukitur m'assura qu'un autre ami qui répond au nom de Mehmet Jarrah Atfer,
un ami puissant allait mettre un terme à notre humiliation, cet ami dont le chien était un tigre était très puissant malgré ses dehors repoussants. Il répétait et vaticinait sans cesse Dieu. Vois celui qui le voit, Dieu. Vois la fourmi noire dans le mur noir de la chambre noire, de la maison noire, de la rue noire, du quartier noir, de la ville noire, de la région noire, de la province noire. Le lendemain, le Moudululu, effrayé par autant d'obscurité, nous libéra sur le champ avec les plus plates et les plus obséquieuses excuses. Ce pays qui punit ses mystiques de prison, comment pourrait-il tolérer un Romanichel, un clown, un saltimbanque comme moi? J'avoue que je n'étais pas du tout en sécurité. Deux jeunes gens masqués m'ont accompagné jusqu'au Panthéon. Et ce n'est qu'au moment des adieux que j'ai reconnu quelques-uns. C'était les derviches tourneurs, les disciples de Maulana Jalaluddin Rumi. Je transporte ma peine, lourd fardeau. J'en vends et j'en achète, ô Dounia. Dounia la belle, aux sept grains de beauté. Je suis là du murmure du monde. Où est le serment prêté près du puits, ô Dounia? Dounia la belle, aux sept grains de beauté. Men, que, le, gu, du, mlu. Men, que, le, gu, du, mlu. C'est le nom du bateau turc où j'embarquais pour longer les côtes grecques avant d'atteindre Gênes en Italie. Ah, le men, que, le, gu, du, mlu, muctadir. Admirable bateau et admirable amiral. L'amiral Gül Aldiyandamur Mühtesim. Un admirable. Qui avait une tête d'empereur romain, une tête de lion, toujours heureux, toujours chantons sa chanson préférée, celle de la prise de Crimée. Ich trage den Riegel all der Ich trage den Riegel all der Dame. Gungati ben mene kenere gedemru, gungati ben ma'alar. Gungati ben mene kenere gedemru, gungati ben ma'alar. Ich trage den Riegel all der Dame. Ich trage den Riegel all der Dame. Gungati ben mene kenere gedemru, gungati ben ma'alar. Gungati ben mene kenere gedemru, gungati ben ma'alar. Ich trage den Riegel all der Dame. Ich trage den Riegel all der Dame. Gott, ich bin mein König, dem Gott, ich bin Mahar. Gott, ich bin mein König, dem Gott, ich bin Mahar. Ich trage. Ce jour-là, la mer était si belle, si bleue. On dirait un mot heureux dans un poème. Notre bateau, le Mülkülülügedümlü, Muktadir, commandé par l'admiral Gül Aldiyandamur Mühtesim, est passé tout près d'une île où était érigé un temple. Et sur ce temple, gravé en grec, les paroles du très sage Aplaton, Platon lui-même. L'homme est une plante céleste, dont les racines tendent vers le ciel et les branches vers la terre.
C'est Aflaton qui dit ça. Le vieux Abdullah Kistu qui me traduisit ces paroles très profondes. Il faut vous dire que ce vieux Kistu était un sage. C'était en quelque sorte un écologiste avant la lettre. Il était toujours flanqué de son agneau, de son mouton, qu'il ne quittait pas un seul instant. Il l'aimait. Et son mouton l'aimait. Il l'adulait. Il l'embrassait. Il le caressait. Et quand je les voyais tous les deux, Abdullah Kistu et son agneau, je me disais, voilà, c'est des gens pareils qui vont nous sauver, qui vont sauver l'humanité. L'humanité, parce que c'est un homme qui est proche de la nature. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que j'ai appris que son agneau s'appelait Michou. Je me souviendrai de l'Italie. Au contrôle de police à Gênes, j'ai eu droit à quelques réflexions désobligeantes. Un policier italien s'étonnait de mes papiers rédigés en arabe. Vous ne pouvez pas écrire comme tout le monde, me dit-il. La langue arabe est une langue qui s'écrit de droite à gauche un peu dans le sens où on donne une caresse. Ou une gifle, me répondit-il. Qu'importe, qu'importe, l'Italie est si belle. Ah, l'Italie, l'Italie, pays de la beauté, l'Italie, pays de l'art, l'Italie, pays de l'esthétique, l'Italie, pays de l'humour. Enfin, l'humour, pas toujours très drôle. Pas toujours. Un baiser sans moustache, dit le macho italien, c'est comme une pizza sans capre. C'est Radia qui dit ça. Et à 1840, sur la place Bernini, un peu comme dans un film de Fellini, j'ai ressorti ma petite lampe à huile que j'ai allumée et que j'ai déposée sous une stèle imposante. Que vois-je? Que lis-je? Quivesi e mori, Gian Lorenzo Bernini, principe dell'arte davanti a cui si che narnono reveranti papi re popoli. Papi re popoli. Ici vécu et mouru Gian Lorenzo Bernini, prince de l'art, devant qui s'inclinait révérencieux pape, roi et peuple. Peuple, roi et en Italie, les rois, les peuples et les papes s'inclinent devant l'artiste. Ailleurs, la gloire est réservée au sabre, profondeur de la plume du calligraphe. C'est moi, Younes Rawi, qui vous le dis. Aux yeux de Tourterelle,
comme dit le conteur indigène. Enfin, je suis en France. Je vais pouvoir aiguiser mon vocabulaire, qui sait l'enrichir. Parce que figurez-vous, j'ai fait des études, moi. Ouais, j'étais dans une école mixte. Où il n'y avait que des garçons, d'ailleurs. Mais c'était les cours qui étaient mixtes. Dans mon école, le laboureur et ses enfants sont devenus le laboureur et ses houlatous. Approchez, petit frère, le vieillard qui, sur son lit de mort, conseillait à ses enfants de rester unis s'ils veulent prospérer dans la vie. Approchez, approchez, venez voir la boîte à merveille, venez voir la merveille des boîtes, venez voir, venez voir, venez voir. Le laboureur et ses houlettes. Un riche flah, sentant Moutou Kariba fit venir ses houlettes et leur parla Blashout. Gardez-vous, Galihoum, de vendre le Wirata que nous ont laissé nos Jdoudna. Un Kenz est caché, Fdakhel, je ne sais pas le Mahal, mais un peu de quoi vous le fera Tlkaoua. Remuez votre Fdan dès qu'on aura fait le Sad. Creusez, pchou, bêchez, ne laissez nul mal où la main ne passe au targent. Le permettent, les fils vous retournent fidèles. D'ici, Mnena, qu'au bout de l'âme, il en rapporta Kherla. D'argent, point de mérité. Mais le père fut Hakim de leur montrer avant sa voûte que le travail est un kins. Approchez, messieurs, approchez, venez voir la boîte de merveille, venez voir Youn Sraoui dans ses numéros, Jonas le conteur. Cette chanson est dédiée à la francophonie. Approchez, messieurs, approchez, approchez. Enfin, la France, pays de la liberté, de la légalité et de la fraternité. La fraternité, c'est écrit sur tous les monuments. À condition de ressembler à tout le monde, à condition de ne pas égorger son mouton dans la baignoire le jour de la fête du mouton, le sacrifice d'Abraham. La France, pays de la légalité, c'est écrit dans les lois et chacun se considère comme l'égal de l'autre. Mais il y a ceux qui ont l'allure de la réussite. Et ceux qui ont la mine triste des vaincus de la vie. La France, pays de la liberté. Ah, ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vrai, c'est vrai. La France, c'est le pays de la liberté. La preuve, l'Institut du monde arabe a été construit devant quoi? Je vous le donne en mille. Devant Notre-Dame de Paris. Que veut le peuple? De la culture arabe pour ces braves Gaulois. Et pour terminer définitivement, pour clore ce dossier qui empoisonne tous les rapports franco-maghrébins, le dossier de l'immigration, il n'y a qu'une solution, que chacun reste chez soi. Le Parisien à Taroudant et l'homme de Tiznit en Alsace. واللي قرقب عليها سوى الربح يربح.
Écoutez, écoutez l'assemblée, écoutez, écoutez l'histoire du vieux vizir. Le vieux vizir qui servit son sultan pendant 30 ans. 30 ans de dévouement et de fidélité. C'est une vie, le vieux vizir s'est vu mourir, un brin de romarin entre les mains. Il se réveilla et... الموت 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 عيون صراوي الموت 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 الغدارة الموت 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 عيون صراوي الموت 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 الغدارة Et d'abord était sa reine. Le vizir s'habillant en hâte et il prit le chemin du palais pour demander audience au sultan qui dormait. On réveilla le sultan qui, inquiet, croyait qu'une quelconque calamité a frappé le pays. Qu'Allah t'élève, efface durer ton règne, tout est calme, si rassure-toi. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il s'agit de ma modeste personne. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu la mort qui rôde en cet instant même. Autour de ma maison. Le sultan, qui vouait une grande tendresse pour son vizir, est resté sans voix. Tu es non seulement mon ami, mais aussi mon maître, mon percepteur, à qui je pourrais demander des conseils. Sire, lui dit le vizir, le pouvoir consiste à se passer des autres, le cas échéant. Le vizir avait une voix tremblotante. Une épine appelée peur était plantée dans son cœur. Il suppliait encore une fois le sultan pour lui permettre de partir. Mais où? Où? Lui dit le sultan. J'irai loin. J'irai très loin. J'irai jusqu'au bout du monde. J'irai. J'irai me cacher à Samarcande. Le sultan ne pouvait mieux faire que de permettre à son vieux vizir de partir. La mort, si. La mort peut bien m'oublier un jour, mais elle ne m'oubliera pas le lendemain. Adieu. Adieu, mon sultan bien-aimé. Je vais à Samarcande. Le lendemain, premier jour du printemps, le sultan, comme à l'accoutumée, prenait son petit déjeuner dans son beau jardin où fleurissent mille et un oiseaux. Un jardin où pousse une orchidée unique au monde, une orchidée qui renferme et libère mille et un papillons par jour. À la seule vue de ces merveilles, cette plante appelée tristesse se déracine du cœur. Soudain, à l'ombre d'un jacaranda de mauve fleurie, le sultan aperçut un visage diaphane, un visage presque transparent sur un corps maigre, un corps fais-tu de silence. Je vous reconnais, lui dit le sultan, vous êtes la mort. Vous avez fait peur à mon vizir.
Et vous aussi, lui dit la mort. Vous n'avez pas peur de moi? Non, non, pas moi. Moi, je connais la date de la mort. La date de ma mort. À l'âge de 18 ans, le jour de mon couronnement, j'ai vu dans un miroir le chiffre 18 à l'envers. Et j'ai compris, admirable symétrie, j'ai compris que je mourrais à l'âge de 81 ans. La mort se contenta d'un petit sourire au coin des lèvres. Vous avez fait peur à mon vieux vizir. Mais si, si, c'est un vieillard insensé. Chevauchera-t-il pendant un an? Je n'ai qu'à faire un pas pour le rejoindre. Là où il est, je le rejoindrai. Vous persécutez. Vous persécutez un homme dont la lignée est sans défaut. Pourquoi, messie? C'est moi qui ai été effrayé de le rencontrer ici, dans votre bonne ville de Fès, parce que figurez-vous, j'ai rendez-vous avec lui à Samarcande. À Samarcande, à Samarcande, à Samarcande, à Samarcande, à Samarcande. Ceci est une canne. Canne, ya ma canne, fi qadim zaman. Il était une fois, il y a fort longtemps, il était une fois un dinandier de Fès qui fabriquait toutes sortes de petits objets en cuivre. Il occupait une toute petite échoppe, tout près de la Médersa Tarim. Il travaillait pour se protéger de la misère et surtout, pour éviter les sarcasmes des autres artisans plus prospères. Il travaillait, en se disant souvent, c'est vrai, je n'ai pas fait des études, mais j'ai lu le livre de la vie, j'ai lu le livre de la rue, et il travaillait. Et la misère flétrissait aussi bien son visage que son âme. Un jour, il dit à sa femme, j'ai par mon seul travail amassé ce petit pécule que je te confie. Il te fera vivre pendant un an. Toi, ma femme, il te fera vivre ainsi que notre enfant, le petit Tiwitiou. J'ai trop souffert de la misère. J'ai trop travaillé. Je vais faire fortune. Et si tu ne me vois pas, dans 2 ans, tiens, je t'offre ce pot de hvac, ce pot de basilic, tant qu'il restera vert, c'est que je suis en vie, et si jamais il se fanait, femme, alors sache qu'un malheur était écrit dans mon destin, sache que Dieu ne m'aura pas permis de faire fortune. Adieu, femme, adieu, je vais à Tombouctou. Tombouctou. La ville d'or. Plusieurs légendes parlent de l'or de Tombouctou. Et on se souvient à Fès de Berka, l'unijambiste qui ramena au siècle dernier 12 chamelles
chargée du précieux métal. Tombouctou! Notre ami, le dinandier de Fès, a mis 4 ans pour atteindre Tombouctou. Il traversa les mers et les océans, il traversa les plaines et les montagnes. Sur son chemin, il ne rencontra personne. La taïra yatrir, voilà Hayawan Yassir. Il ne rencontra qu'un léopard venu de nulle part. Enfin, Tombouctou, la ville de Pisée, la ville où se dressent 12 minarets qui portent les noms des compagnons du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. وقتني يوق الخيال والويت صبرت ويا شكيت شلة من رمان طاوية وواحد طويلة ختام بوكتو حطيت رحال La tradition exige des étrangers qui se présentent pour la première fois à Tombouctou de venir chez le roi Fouta Gaolo Ahmadou Anta Tissa Moussa Fissa Boussa, tout ça. Tout ça. La tradition exige donc de tout étranger de donner un présent au roi. Notre artisan est trop pauvre, trop démuni. Qu'offrir au roi? Qu'offrir? Ou plutôt, fuir, Tombouctou! Fuir! Quel stratagème employer trop tard? Des gardes le ceinturèrent et le présentèrent au puissant Fouta Gaolo Ahmadou. Le roi Fouta Gaolo Ahmadou Anta, Tissa, Moussa, Fissa, Boussa, tout ça, était un superbe personnage à la peau d'ébène, aux sourcils broussailleux, aux dents proclives, aux oreilles ruissantes, et à son cou pendait un collier fait de 1001 gris-gris. Qu'as-tu à m'offrir, étranger, là? Moi, c'est-à-dire... Le pauvre dinandier tremblait de tous ses membres. Il n'avait rien à offrir. Il mit la main dans sa maigre besace et trop content de trouver quelque chose, n'importe quoi. Il trouva une vulgaire lampe à huile qu'il alluma. Une vulgaire lampe à huile. Il l'alluma et la présenta au roi de Tombouctou. Les yeux de Fouta Gaolo Ahmadou Anta Tissa Moussa s'écarquillèrent. Quelle merveille! Quelle merveille! Cette lampe est faite pour allonger tes nuits. Et bercer ton sommeil. Oh, grand Fouta Gaolo Ahmadou Anta Tissa Moussa Foucha Moussa. Tout ça. C'est une nuit, et une nuit mémorable que les griots évoqueront, dit le roi Fouta Gaolo Ahmadou Anta Tissa Moussa au dinandier de Fès. Je veux que les griots chantent la beauté de cette lampe. Je veux que les griots écrivent une épopée de 1000 vers à la gloire de cette lampe merveilleuse qui va me permettre de vivre le jour et la nuit. Quant à toi, noble étranger, toi, ta fortune est faite. Ahmadou, Gaolo, Anta Tissa Moussa, Tissa Moussa, tout ça, offrit 12 chamelles chargées du précieux métal, 12 chamelles d'or et une petite chamelle pour le petit Tiwi-Tiwi. De retour à Fès, le dinandier de Fès construisit un beau palais entouré d'un verger où poussent les fruits les plus succulents du Maghreb lointain. Pour tuer le temps, le dinandier de Fès se rendait tous les jours
chez ses amis, les autres artisans pour les voir travailler et peiner. Un jour, il dit à son ami le babouchier de Fès, son ami préféré, Zacharia. Je suis riche, mais pas honteux. J'ai peiné pour sortir de la misère. Je ne t'envie pas. Dieu choisit celui qui doit recevoir la fortune. Toi, tu construis des palais. Et moi, je confectionne des babouches. Je suis prêt à t'aider. Je ne peux accepter ton aide, j'ai ma dignité. Je ne veux que le fruit de mon labeur, qui t'a resté aussi pauvre qu'une poignée de lentilles. Je veux t'aider si tu as confiance en moi. Ta fortune est faite. Le dinandier de Fès raconta à son ami Zacharia son histoire et il termina son discours ainsi. Vous avez remarqué que le grand Fouta, Gaoulou, Ahmedou, Anta, Tissa, Moussa, Fissa, Boussa avaient les pieds nus. Tu y es le meilleur babouchi de Fès. Confection de grandes babouches, car les pieds de Fouta Gaoulou sont de grandes proportions. Des babouches fines et douces, comme la soie. Zacharia le babouchier remercia son ami, rentra chez lui. Sa décision est prise. Il veut goûter le pain amer de l'exil. Il prit la route du Soudan et dans son bagage, une belle et grande paire de babouches. Il passa 3 ans sur les routes, les mers et les océans avant d'atteindre Tombouctou. Ah, Tombouctou, la ville où poussent les 12 minarets. Son chemin, il ne rencontra qu'un léopard venu de nulle part, le salopard. Il se présenta devant la principale porte de la ville et demanda aux gardes de le mener sur le champ au puissant Fouta, Gaoulou, Ahmadou, Anta, Tissa, Moussa, Fissa, Boussa. Tout ça, ton nom, ô puissant Fouta, éclaire les montagnes et les plaines, les océans et les collines. Ton nom, ô Fouta, est inscrit sur les carapaces des tortues. Tagaolo, Ahmedou, Anta, Tissa, Moussa, Fissa, Boussa, tout ça est visiblement insensible au compliment. Où est mon cadeau, là? Le voici! Le voici! Quelle merveille! Quelle merveille, là! Ah. Et il tendit les babouches au puissant Fouta. Fouta Gaoulou n'avait jamais vu de babouche de sa vie. Il examina longtemps le mystérieux objet. À quoi cela pouvait-il servir? Il ne connaissait même pas le nom du cadeau. C'est une belle rare. Belle rare? Oui, oui. Quelle belle, belle rare. Quelle belle, belle rare. L'extrême joie de Fouta Gaoulou rempli d'aise, le bienheureux. Cette nuit est une nuit mémorable. Je veux que les griots chantent la beauté de Belra. Je veux que les griots écrivent un poème de 1000 vers à la beauté de cette étrange chose qui est légère comme un nuage cantatoire, étranger. Je t'offre ce que j'ai de plus cher au monde. Tiens, cette lampe à huile, elle est à toi. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît. Celui qui me connaît m'aime. Celui qui m'aime, je l'aime. Celui que j'aime, je le tue. Celui que je tue, c'est à moi de le racheter. Celui que je rachète, c'est moi qui suis sa rançon. Sur elle, tête feuille d'or,
قبلت كيساني وشربت لكن النشوش حتى بتاع يدي كلي بدرت لكن النشوش حتى بتاع يدي كلي بدرت كان حتى كان حتى كان الله في كل مكان Il y avait Allah en tout lieu, aucune terre, aucun endroit ne sont vides de lui. Et il y avait du basilic dans le giron du prophète, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était une fois un tout petit royaume, une île, habitée par un peuple heureux, un peuple jeune, studieux, un peuple qui vit dans un pays où la gazelle côtoyait le lion sans risque d'être dévoré. Heureux pays, paisible et prospère, où régnait un jeune prince, Sadr-Din, ou le sultan Fakhr-Din, que Dieu prolonge sa vie et sa bonne santé. Sadr-Din, ou le sultan avait tout pour être heureux. Il avait pris pour épouse une perle rare, un corail à la taille fine comme un roseau de l'Atlas, et dont la démarche était gracieuse comme celle des perdrix du désert. Quand son visage de blancheur éclatante apparaissait sous le voile, elle était semblable à la lune à travers les nuages clairsemés. Telle était la princesse Yaqut Noor, épouse du bienheureux Sadr-Din ou le sultan Fakhr-Din. Le prince Sadr-Din et la princesse Yaqut Noor avaient un fils, le fruit de leurs entrailles, le joli petit prince Zohar, dont le rire éclatait en milliers de petites lumières. Écoutez, braves gens, les légendes vivent éternellement, elles traversent le temps. Le temps ne détruit que le réel. Les morts dans leurs tombeaux ont transformé leur linceul en pagne, en turban. Ils se sont accroupis pour entendre la très belle histoire de Sadr-Din ou le sultan Fakhr-Din. Que Dieu lui apporte un surcroît de bonheur. Nous disions donc que notre prince avait tout pour être heureux. Il avait aussi une troupe de comédiens, un groupe de poètes chevronnés, et il entretenait un jardin unique au monde où jouaient des musiciennes, au seul son de leurs instruments, les oiseaux se mettent à chanter et à danser. Et dans ce jardin poussaient les roses les plus rares du monde, les roses musquées de Mguna et les roses dont le seul destin est d'être belle. Masha'Allah, le jardin est le plus pur plaisir de l'homme. شللتت فايتا املت كيساني وشربت لكن النشوة تبتا يديك اللي ما درت لكن النشوة تبتا يديك اللي ما درت. Mais depuis que le prince Sadr-Din a découvert dans un puits ancien le livre du sable, depuis qu'il a lu ce manuscrit, la joie a quitté son cœur. Que disait le livre du sable? Le meilleur plaisir est celui qu'on n'a pas obtenu. Depuis ce jour, notre jeune prince a été frappé d'un mal étrange. La mélancolie. C'est vrai, se contenta de répéter le prince. Le meilleur plaisir est celui qu'on n'a pas obtenu. Sadr-Din ou le sultan Fakhr-Din s'ennuie, plus rien ne l'intéresse. Ses pensées
ne sont plus que sombre charbon. L'ennui est une maladie de l'âme. Et cette maladie, dit-on, est incurable. Depuis ce jour-là, le prince s'ennuie. La belle Yakoutnour a tout fait pour que son maître et seigneur puisse retrouver le soleil et puisse retrouver le sourire. Oh, mon prince, mon beau prince, qu'as-tu ? Toi, toi qui occupes une place privilégiée dans mon cœur, une place aussi privilégiée que la nuit du festin pendant le ramadan, qu'as-tu mon feu ? Qu'as-tu mon âme ? Princesse adorée, princesse dorée, je m'ennuie sans raison. Son peuple, qu'il aimait beaucoup, a tout fait pour le guérir. D'abord, des spectacles et des réjouissances à faire pâlir d'envie les princes et les sultans les plus puissants de la terre. Mais Sadr-Din ou le sultan Fakhr-Din continuait de s'ennuyer. Et il s'ennuie. Umuel Ouzzan, le grand rabbin, Umuel Ouzzan ibn Amran, a fabriqué une horloge unique au monde. Il l'a offerte au prince. Cette horloge n'indique pas les heures, non. Elle n'indique pas les minutes, non. Elle n'indique pas les secondes, non. Elle indique l'éternité. Mais pour Sadr-Din ou le sultan Fakhr-Din, les battements du cœur étaient plus lents que les coups de l'horloge. Son cœur et rongé par l'ennui, plus rien ne l'intéressait. Il adorait sa troupe de comédie, mais il commençait à connaître tout le répertoire. Il adore ses musiciens, mais... Il fit venir des autres pays et des conteurs à la longue barbe qui racontèrent les légendes les plus extraordinaires, les légendes berbères et les légendes arabes. D'abord, la très belle légende de Aïcha ibn Tijar, puis celle de la Lasakta Umskuta, puis la légende du caftan d'amour, tacheté de passion. Le prince se contenta de dire « Mon cœur est chargé d'orage. » On fit venir de Tunis Abdullah al-Khafif lui-même pour réciter l'épopée de la Jimjima qui convertit Jésus-Christ à l'islam. Sadr-Din continuait de pleurer son ennui. Je suis peut-être ensorcelé. Je suis peut-être ensorcelé. Personne n'a de pouvoir pour me délivrer. Dans mon cœur, s'est éteinte la lumière de la joie. Les autorités compétentes ont ordonné la fermeture de la Zawiya pour permettre Ahmed Shah d'exorciser le mal qui rongeait le prince Sadr-Din ou le sultan Fakhr-Din. وانا رجل من ضيوم كان عيط لرجال الحال يفكونا من الهوال وانا عيط للضمان لام خنطار سيد الرجال وانا عيط للضمان لام خنطار سيد الرجال وقتا ما نندبك غيتيني نظرة من الاضرار ونشاهد فيك صرار يا بنت شفيع الخلق لا لا فاطم الزهراء يا بنت شفيع الخلق لا لا فاطم الزهراء يا بسم الله
سر الكلام ونبدا القول بطريات حيطو مبني بالساس نسابق بسم الله في كلامه كايت حلا او نسابق بسم الله في كلامه كايت حلا وانت اني بالصلاه على المفضل عاتق الانفاس نور وضي العساس Cette rêve pour sept grains de beauté, toute une vie et même davantage, cette vie d'un conteur qui laisse cette éphémère trace, cette tache de douceur. Si Dieu a envoyé cette maladie, il a aussi envoyé le remède pour la guérir. Invoquons les sorciers pour chasser les esprits contre Satan le lapidé. J'invoque le bleu de Sidi Boussa, le rouge de Sidi Bouheli et le vert de Sidi Hamou contre les djinns. J'invoque le noir de Sidi Bourisha contre les afarites emprisonnés par le prophète Suleyman dans les terribles Qumqum que je libère en cet instant même. Après 4000 ans de captivité, j'invoque le jaune de la Lamira Ben Sidi Moumoun, la Jnia qui donne le fou rire. Malgré ses incantations ésotériques, le prince Sadruddin semble absent de la cérémonie. Ah, si je pouvais être l'abeille dans un monde de fleurs, murmura-t-il à son entourage aux barbes d'argent. Que Dieu maudisse l'étrange mal qui détruit notre prince, un prince si bon, si généreux, dit le mufti à la barbe de henné. Que Dieu maudisse ce mal qui ronge un prince si bon, si généreux, que Dieu maudisse le livre du sable, dit le grand mufti à la barbe de henné. Que Dieu maudisse le livre du sable, le livre du sable. Même le petit prince Zohar, dont le rire éclatait en milliers de petites lumières, n'arrivait pas à dissiper la fumée noire qui enveloppait le cœur de son père, le prince Sadruddin ou le sultan. Cette pénible situation dura pendant trois pleines lunes, jusqu'au jour où Sadruddin ou le sultan Fakhreddin fit un rêve merveilleux. Il s'est vu sur une terrasse, portée par 12 taureaux. Et sur la terrasse, une vieille femme l'attendait, une femme édentée qui gardait la laine et qui l'invita à s'envoler, à s'envoler. Oh, miracle des miracles! Le prince Sadruddin s'envola sans elle. Il s'envola et fit un voyage merveilleux, un voyage des plus agréables. Il était entre ciel et terre. Tout à coup, il aperçut au loin une boule magique, une boule qui luisait de mille feux, une boule qui était faite d'un métal qu'on ne connaissait pas sur terre, un métal plus brillant que le diamant et plus lumineux que l'or. C'est une boule magique. Le prince Sadruddin s'approcha pour atteindre la boule. Il voyagea pendant longtemps. Il s'avançait. Il voulait avoir cette boule magique. Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques nuits plus tard, quelques mois plus tard, personne ne sait. Il était exténué, il se traînait et il a fini par dire « Boule merveilleuse, viens à moi, car je ne peux aller à toi. » Et la boule vint à lui. « Boule merveilleuse, va à droite et la boule alla à droite. Boule merveilleuse, va à gauche et la boule alla à gauche. Boule merveilleuse, veux-tu danser pour moi ?» Et la boule dansa une ronde fantastique.
C'est exactement ce qu'il voulait. La boule était magique et le roi ne s'ennuie plus parce qu'il l'avait. Hélas, ce n'était qu'un rêve. Il s'y réveilla, il était aussi malheureux qu'un oisillon tombé d'une île. Il se réveilla et son mal l'a repris. Son terrible mal. Le prince s'ennuie toujours. Toujours. Le lendemain, il convoqua la cour, les chambellans, les courtisans, sa femme, le petit prince Zoéa, dans le rire, éclaté en milliers de petites lumières. Et il leur raconta son rêve et il termina son discours ainsi. Quiconque d'entre vous est capable de me réaliser cette boule, je le nommerai le plus puissant du royaume. Je lui offrirai mon plus beau palais, je lui offrirai mon jardin auquel je tiens tant. Le jardin où pousse cette orchidée qui renferme et libère 1001 papillons par jour. Je lui offrirai ma troupe de comédie, mes musiciennes. Là-dessus s'avance un jeune homme qui lui dit, sire, je suis capable de te réaliser cette boule. Non, non, pas toi, toi. Toi, tu es un ami d'enfance, nous sommes nés le même jour. Nous avons fait les mêmes études sur le même banc. Tu es un ami cher, tu es avec moi comme les doigts de la main. Je ne veux pas te perdre, car quiconque me décevra, je lui couperai la tête. Sire, je suis capable de te réaliser cette boule, lui dit son ami Ali le Sage, et lui fit une description très précise. Le sultan le pria encore une fois. Il lui dit, si tu n'as que 99% de chance, ne tente pas. Sire, je suis capable de te réaliser cette boule. Et le roi, comme je l'ai dit, fit une description précise. Le jeune homme demanda quelques mois de délai, et il s'en alla dans les forêts. شلان الدنت فيتا املات كيساني وشربت لكن النشوة تبتا يا ديك اللي ما دركت لكن النشوة تبتا يا ديك اللي ما دركت شلان الدنت فيتا املات كيساني وشربت لكن النشوة ثابتة هي ديك اللي ما درت. Écoutez, noble assemblée. Écoutez la belle et étrange histoire, la belle et étrange légende du prince Sadreddin ou le sultan Fakhreddin et de la boule magique, une légende pleine de poésie et de mélancolie. Ali le sage, qui a prétendu réaliser la boule magique et qui demanda quelques mois de délai, réussira-t-il dans son entreprise et comment? Il faut peut-être rappeler que cet homme était un sage malgré son jeune âge. Il était instruit de toutes sortes de sciences et même des sciences ésotériques, magiques, prophétiques, divinatoires. Il était surtout versé dans la science des sciences, l'alchimie. Aucun métal n'avait de secret pour lui. Il avait découvert un alliage, un procédé diabolique pour inventer d'autres métaux. C'est dans les livres kabbalistiques rédigés en araméen, en hébreu, que le jeune homme avait appris ces choses que seuls les démons, les inférites connaissent. Après plusieurs semaines de recherche, il mit au point un métal, un alliage plus brillant que le diamant et plus lumineux que de l'or. Le grand œuvre. Le grand œuvre. Ali le sage fabrique boule avec le bois le plus léger qui soit. Le cœur desséché du palmier. La boule est maintenant recouverte d'une couche de métal précieux, inventée par Ali le Sage. Elle était décorée et ciselée suivant les descriptions du prince Sadreddin ou le sultan Fakhreddin. Il procéda à l'ouverture d'une petite porte qui épousait les lignes élégantes des arabesques. La boule était évidemment truquée. Ali le sage demanda à un enfant
mince comme le roseau, un enfant de 8 ans de pénétrer dans la boule. La boule était si fine qu'on pouvait entendre les bruits extérieurs, donc les éventuels ordres du roi. Le jour J, Ali le sage se présenta devant la cour, devant le prince Sadreddin ou le sultan Fakhreddin, les dignitaires, les chambellans, les muftis, les cadis, et devant la belle Yaqout Nour qui dit à la lune « Brille ou je brille ». Et le petit Zohar dont le rire éclatait en milliers de petites lumières. Salut et dilection, qu'Allah t'élève et fasse durer ton règne, ô mon prince bien-aimé. Voici l'objet de ta passion. À la vue de la boule, le prince était heureux. C'est exactement ce qu'il avait vu dans le rêve. Il s'approcha de la boule magique et la voix émue. Il lui dit, boule merveilleuse, va à droite et la boule à la droite. Boule merveilleuse, va à gauche et la boule à la gauche. Boule merveilleuse, danse pour moi. Et la boule dansa. Dansa, dansa une ronde fascinante. Le prince est heureux, son mal l'a quitté. Et il tint promesse. Il offrit à son ami son plus beau palais, le maria la plus belle des créatures. Il lui offrit sa troupe de comédie, ses musiciennes. Il lui offrit son jardin auquel il tient tant. Ali le sage passa ainsi 6 mois dans le bonheur le plus total, dans son beau palais. Mais un jour, Ali le sage, pris de remords, n'a plus fermé l'œil. Il vient trouver le prince. Prince, il faut que je te dise la vérité. La boule était truquée. Le prince a eu très mal. Et son mal l'a repris. Il s'ennuie de nouveau. Mon cœur m'invite à oublier cette faute grave. Mais ma bouche ne peut prononcer les paroles du pardon. Tu auras, je suis à la limite de la désolation, tu auras la tête tranchée. Nous sommes nés pour mourir, dit Ali le sage. Le lendemain matin, on le jeta dans une vulgaire charrette, ligotée. On le jeta pour le livrer au bourreau. Et la charrette passe par l'école où l'enfant qui était dans la boule jouait avec ses camarades. L'enfant regarda le sinistre cortège avec Ali le sage ligoté et il s'approcha. Monsieur, monsieur, où est-ce qu'on vous emmène? On va me couper la tête. Mais pourquoi, monsieur? Tu le sais bien. On va me couper la tête parce que j'ai menti au prince. Mais monsieur, c'est de ma faute. Le jour où tu devais présenter la boule au prince Sadreddin, ce jour-là, je n'ai pas pu venir. Ma mère était malade. Elle m'a tenu à la maison. Tout est de ma faute, monsieur. Ali le sage se tourna vers l'enfant et lui dit, alors, ne raconte jamais, jamais cette histoire, même pas à Younes Rawi le conteur. Younes Rawi, montreur des choses cachées, nous entraîne sur les pistes sinueuses pour nous jeter sur les rivages arganières de Mogador. Un jeune marin qui revenait de guerre. Oh là là, guerre
avec son régiment pour aller voir Adèle, Adèle sa bien-aimée. Allah, Allah. Et je le marin s'en va trouver son capitaine. J'ai dit mon capitaine, signez-moi un congé. Allah, Allah. Allez voir Adèle, Adèle m'a bien aimé. Le capitaine lui dit, montez dedans ta chambre. Allah, Allah. Mets ta casquette blanche et ta ceinture dorée pour aller voir Adèle, Adèle ta bien aimée. Allah, Adèle. Le marin s'en va chez les parents d'Adèle. Allah, Allah. Salut cher père et mère, ainsi que frères et sœurs. Sans oublier Adèle, Adèle m'a bien aimé. Allah, Allah. Le père lui répond, il n'y a plus d'Adèle. Adèle, 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 Adèle est loin d'ici. Allah, Allah. Son corps est sous la terre, son âme au paradis. Le jeune marin s'en va sur la tombe d'Adèle. Allah, Allah. Adèle, 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 réveille-toi. C'est ton ami fidèle qui vient prier pour toi. Allah, Allah. C'est ton ami sincère qui vient prier pour toi. Un ange lui répond, il n'y a plus d'Adèle. Il n'y a plus d'Adèle. Allah, Allah. Adèle, 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 Adèle est loin d'ici. Ton corps est sous la terre, son âme au paradis. Allah, Allah. Jeune marin s'en va trouver son capitaine. Salut mon capitaine, me voici de retour. Allah, Allah. Est-ce que Adèle est mort? Je m'engage pour toujours. Adèle, 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 ma chère amie. Allah, Allah. Adèle, 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 on ne te revoit jamais. سلمت عليك في الدموع والدموع حايفة غزيرة ما زال رجايا فرجوع ما زال رجايا فرجوع عليك يا شرطة صغيرة سلمت عليك في الدموع والدموع حايفة غزيرة سلمت عليك في الدموع والدموع حايفة غزيرة ما زال رجايا فرجوع ما زال رجايا. Si vous visitez un jour Mogador, la ville où se débattent tous les vents de la terre, arrêtez-vous un peu devant le palais enseveli de Tarek. Arrêtez-vous un peu avant le coucher du soleil pour entendre les mouettes et le vent vous chuchoter dans le creux de l'oreille l'histoire d'Abou Taïb le Suave. Une histoire faite de poussière et de larmes, de rêves et de temps. Abou Tayyib, Ibn Qasim, Ibn Abi 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 Tayyib, Ibn Talha. Était riche, très très riche. Il avait donc beaucoup d'amis. Énormément d'amis, car Abou Taïb détenait le commerce du thé de Chine et le monopole des soieries de l'Inde. Abou Taïb passait
de merveilleuses soirées dans son beau palais. Il offrait des réceptions. Mais à votre trip, n'oubliez pas pour autant les pauvres de la ville. Tous les jours, des plats sont servis aux pauvres de la rue Mskina, aux voyageurs démunis de bœuf de Kuala et surtout aux mendiants aveugles qui psalmodient sur le rocher des colombes. Asidi Bazi, Amoulas Baslak, Asidi Lilak, Somor Alik, Asidi Bazi. Pendant ce temps-là, Boutayev, dans son beau palais transformé en lupana, continuait sa vie pleine de turpitude, entouré d'amis, de beaucoup d'amis, de concubines, de beaucoup de concubines. L'histoire d'Abou Taïb, une histoire faite de poussière et de larmes, de rêves et de temps. Il était respecté aussi bien par les Arabes de Chiadma que par les Berbères de Sousse et les Juifs de Mogador. Il a, hélas, dilapidé toute sa fortune et ses nombreux amis, tels les oiseaux, se sont envolés. Lorsque tu vis dans la prospérité, les hommes se proclament tes frères. Ta fortune vient-elle à disparaître? Autant on emporte le vent. Seuls ses vrais amis, les mendiants aveugles, qui psalmodiaient sur le rocher des colombes, sont venus lui réciter dans son palais désolé la complainte de la solitude. Qom la fado. فايدة في معرفتهم دايا دوايا بفراقهم حل سلم وادعي القلب بتسلموا لدايا قادر يهدي كل من يضل لو كان عرام نستر تبقى الكل عرايا لين فضلوا عن هيجل ورحمتوا الكل عما أبو طيب était ému aux larmes quand il a vu le cadeau que les mendiants aveugles ont apporté avec eux, un repas chaud, un simple pain d'orge chaud. Il faut que je me ressaisisse. Il faut que je me ressaisisse pour cela. Je dois quitter mes compagnons d'infortune, je dois quitter Diabolo, je dois quitter, je dois quitter, je dois quitter le Hammam, deux émules du Libertin, Abou Nouas, la'anatullahi alayhi. La'anatullahi alayhi. Abou Taïb s'est jeté dans les flots impétueux de l'océan et il s'est dirigé vers l'île de Tamsgoutali, où se déchaînent tous les vents de la terre, Simoun, Mistral, ainsi que le Fun. Et à 3h du matin, il était rejeté par l'écume laiteuse de la mer. La beauté pria trois fois. Je supplie Dieu, Dieu du cœur et de l'océan, je supplie Dieu, Dieu de l'amour et de la forêt. Je supplie Dieu de me protéger contre Satan le lapidé, contre la méchanceté des hommes,
La cupidité des hommes. Et Abou Tayyeb s'est approché de l'île au corsaire. Là, là, là où les araignées semblaient heureuses. Et ils s'endormirent, caressés par les vents plaintifs de l'automne. Un étrange rêve. Abou Tayyeb s'est vu marchant dans des ruelles sombres, des ruelles tortueuses. Abou Tayyeb. Abou Tayyeb. Abou Tayyeb. Abou Tayyeb. Abou Tayyeb. Abou Tayyeb, où vas-tu? Où vas-tu, Abou Tayyeb? Tu es là! Une femme l'attendait, une vieille femme qui gardait la tête, une femme édentée, qui le mena à un endroit sombre où l'attendait un homme blond, aux cheveux blonds, qui l'attendait et qui lui dit « Abou Tayyeb, si tu veux la fortune, va à Istanbul, va à Istanbul, va à Istanbul. » Ouais, ouais, pourquoi n'irais-je pas à Istanbul puisque plus rien ne me rattache à Mogador ? Istanbul, Istanbul. À la ville par la porte du lion. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أبو تيم أبو تيم أبو تيم أبو تيم أبو تيم passa 3 ans 3 ans sur les routes et les pistes avant d'atteindre Istanbul comme moi. Il a passé la nuit dans le vieux cimetière abandonné de Fès. Comme moi, il est passé par Alger, puis par Tunis. Et comme moi, il est passé par le désert des Bani Kelboun. Et comme moi, Abou Tayyeb passa plusieurs mois au Caire. Et là, il aida un grand savant danois à nettoyer la momie de tout ton carton. Et puis Abou Tayyeb est passé par Bagdad, la malheureuse.
par les pays ensanglantés pour enfin emprunter le bateau, le Munkululu Gudumlu Muqtadir, qui est commandé par l'amiral Gul Aldi Eldamir Muhtasim. Le pauvre amiral a perdu sa jambe dans la prise de Chypre. Il a aussi perdu de sa superbe. Sa voix n'est plus ce qu'elle était. Mais il continue à chanter d'une manière pénible, mais... Enfin, Istanbul. Istanbul. Abou Taïeb est rentré dans Istanbul en pleine obscurité. Toute la ville était plongée dans une obscurité totale. Abou Taïeb a vu au loin une toute petite lumière. Il s'est approché. Ce n'était qu'une petite chapelle. Il décida d'y passer la nuit en attendant un lendemain meilleur. Par malchance, un vol a été commis dans le Topkapi Serai, la plus importante institution, le plus important musée d'Istanbul. Les gens ont vu les voleurs mettre la main sur la collection de Soliman le Magnifique, de Soliman le Maste. Ils ont vu les voleurs se faufiler dans les ruelles d'Istanbul. Dans les ruelles d'Istanbul. Et ils se sont approchés de la petite chapelle. Et là, là, dans la petite chapelle, ils trouvèrent un étranger. Hirsute, malade, c'était le pauvre Abou Taïeb. C'est lui! C'est lui le voleur! Et ils le rouèrent de coups pour qu'il avoue un crime qu'il n'a pas commis. Le lendemain, on présenta le pauvre Abou Taïeb à un commissaire de police, un Turc, aux cheveux blonds. Et Abou Taïeb raconta son histoire. Je m'appelle Abou Taïeb. J'étais riche. Mais j'ai suivi les plaisirs de ce bas monde. Et mon palais est ruine devenue. J'étais riche, j'étais cousu d'or. J'ai vu quelqu'un en rêve qui vous ressemble d'ailleurs, qui a les mêmes cheveux que vous, et qui m'a dit, si je veux la fortune, que je vienne chez vous ici, à Istanbul. Alors je suis venu à Istanbul, après avoir mangé le pain amer de l'exil. Vous êtes fou. Vous êtes fou, lui dit le commissaire. Je vois bien que vous n'êtes pas le voleur. Mais vous êtes fou de croire en ces histoires de rêve. Moi qui vous parle. Abou Taïeb, moi qui vous parle. Ça fait 10 ans que je vois en rêve quelqu'un qui vous ressemble et qui me dit, si je veux la fortune, que j'aille chez vous là-bas. Là-bas au pays, lointain, le Maghreb lointain, il paraîtrait qu'il y a un trésor fabuleux. Vous êtes fou de croire en ces histoires de chitan. Tenez. Ce soir, il y a le Munkululu Gudumlu Muqtadir qui apparaît pour se diriger vers Mogador. Il va partir du Bosphore vers Mogador. Je te recommanderai. Abou Taïeb, Abou Taïeb. رجعت إلى الوطن رجعت أبا طيبي رجعت أبا طيبي رجعت إلى الوطن رجعت أبا طيبي قليل الخطى أشعة غبارا على شعبي وما حتى منك الإياب سوى بشر مرعب جفاك الرجاء الحبيب فأنت بلا مطلب فماذا أفدت ولم رجعت أبا الطيب رجعت أبا الطيب فماذا أفدت ولم رجعت أبا الطيب Mon
Mogador, la ville aux nuages roses, Mogador, où il fait bon sentir le pain chaud, Mogador, tel un navire qui aurait échoué sur les rives arganiennes. Mogador, Mogador, Aboutrieb retrouva ses amis, les mendiants qui psalmodiaient sur le rocher des colombes. Vous êtes les vrais pauvres, parce que vous êtes ensemble. J'ai retrouvé Dieu en vous. Aboutrieb décida de partager le sort de ces malheureux. Pour cela, il construisit lui-même un abri sur le rocher des colombes. Il creusa les fondations de ses propres mains et stupeur. C'est là, sous les pieds nus des aveugles, qu'Aboutrieb découvrit deux énormes amphores phéniciennes. L'une chargée d'or, l'autre de pierreries, l'une chargée d'or. C'était le trésor dont parlait l'homme blond, le turc. Aboutrieb. لكن النشوة ثابتة يا ديك اللي ما درت شلالة البيضة ملت كيساني وشرب لكن النشوة ثابتة يا ديك اللي ما درت لكن النشوة ثابتة يا ديك اللي ما درت شلالة بيتا املت كيساني وشرب لكن النشوة تبدا يلي باللي ما درت لكن النشوة تبدا يلي باللي ما درت دنيا دنيا il n'y a que le cœur qui aille plus vite que les oiseaux. Ah, Dounia, la belle, aux 7 grains de beauté. Un grain pour le sable, un deuxième grain pour le feu, le troisième pour l'océan, le quatrième pour la terre. Le cinquième grain pour les forêts. Le sixième grain de beauté pour l'âme. Et le septième grain de beauté, oh Dounia, Dounia. Le septième grain de beauté pour toi et moi. En vérité, je ne suis qu'un simple conteur qui a pour nom Yun Sarawi, je raconte. Mais ce qui doit rester obscur le restera malgré moi. Je construis un paradis dans l'air. Je célèbre la fête de l'homme qui retrouve l'homme. Je distribue joie, divertissement et bonheur à ceux qui prennent la peine d'écouter les images. Et je chemine, les mains nues, sur les routes, les océans. Je chemine et je me nourris des paroles de mon maître Ibn al-Arabi. Désormais, je suis réceptif à toute image. Près de gazelle, cloître de moine.
temple aux idoles. Le Torah, tu passes de corps. Je professe l'amour. Tu dirige les caravanes. Car l'amour est ma profession et ma foi. Archives, Fondation Taïeb Sadiki, Maroc.